nous tout qui là, nous tout cap coûté d'une façon ou d'une autre, nous devine dériver dans situation côté nous perdu un monde qui proche nous perdu un membre famille nous. Donc il était assez difficile pour nous envisager reprendre la vie nous sans que monde ça sans monde ça pas là. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur TAC 509. C'est Jamino Gini qui là pour présenter nous et une rubrique sur comment faire son deuil. Pas oublier, TAC 509 c'est pour nous. Vidéo n'a posté c'est pour nous. Donc pas négliger, abonner à plateforme, share vidéo, remer, commenter, proposer sujet en façon pour nous même dans TAC 509 pour nous préparer pour nous exposer. J'en moi dit là, nous tous, nous venons arriver dans un moment dans la vie, nous venons face à bagaille la mort. Expression comme passer à autre chose, ça, sont expressions qui viennent démontrer nous combien la mort sont sujet qui tabou, dont un pile monde pas ta aimé parler de lui. Expression ça tout, li voye ou dans situation côté que ou supposé faire aux gens pour automatiquement éliminer chagrin ça qui la caillou de façon pour pas embarrasser l'autre monde parce que même gens à un malade un monde qui en deuil ça dérange parce que moun yo pas konn qui gens pour yo agir qui ça pour yo dire et li pas ta supposé comme ça parce que yon nan phase de libération pour que un monde arriver faire deuil li c'est pour parler de ça c'est pour l'exprimer pour parler de sentiments, pour dire combien moun nan manquil. C'est peut-être ça li assez difficile dans société n'a vivre journée jodien pour nous faire deuil nous parce que moun yo pas konn comment vraiment pour yo deal avec un monde qui gon cap subi un perte. Qui ça deuil la yé? L'entendre deuil li automatiquement ramené à la mort, li pas souvent le cas. Deuil nan ka rapport avec un deuil et d'une relation amoureuse par exemple ou encore d'une situation professionnelle. Deuil nan pas seulement lié à la mort, li ka une situation que ou a vive tout que ou en deuil de lui-même. Donc normalement un monde qui en deuil passe par 4 phases. Phase sa yo moun yo ka vive yo de façon ordonnée. Tout comme tout, li ka vive li de façon désorganisée. Li pas nécessairement suivre en branchement, savoir 1, 2, 3, 4. Li ka pre 4 l'an, 20, 3, ça dépend de moun nan, parce que tout moun pas même gens. Première phase, lorsque moun a vive en situation de deuil, c'est phase de choc ou de déni. Dans phase sa ka dure quelques heures ou bien quelques jours. Dans phase ça moun nan pa vle li poko vle accepter réalité que li perdu au membre qui cher. Donc le plus souvent li non déni total, li pa vle accepter que un tel pa nan vie encore ou bien li pa wè un tel, li pa ka parler à un tel, li pa ka wè un tel. Donc dans phase ça, c'est phase qui plus difficile, li pa durer en pile temps. Parce que c'est sur le coup, sur le moment que moun nan pa vle accepter réalité ça qui frappe là. Deuxième phase nous joigne, c'est phase de protestation. Phase de protestation, c'est phase qui vient tout de suite après déni. Li ka durer quelques semaines ou quelques mois. Dans phase ça, ou vinn joindre un moun qui totalement moun nou pa konnè, moun nan en colère, li excité. Li gon sentiment de culpabilité tout qui envahit nan période sa tout moun nan toujours ap chercher un bouc émissaire à savoir un moun pour rejeter la faute sur lui comme si pour dire c'est moun ça qui responsable perte là. Donc le plus souvent nan face ça ou vinn joindre avec moun nan li pa non seulement li pa vle accepter mais le plus souvent l'ap chercher un moun à blâmer pour mal ça que la vive là pour situation ça qui a manifesté dans la vie. Troisième phase nous joigne, c'est la phase de désorganisation. Phase de désorganisation, c'est qui s'allie. Le monde fin passé par une période de déni, il passe par une colère, il y a une phase où la vie tombe dans un état de profonde tristesse, il
li ka même mener à en dépression et même moun sa la penser au suicide. Dans phase de désorganisation ça moun nan tombé dans situation d'abattement total capital. C'est comme si moun nan vinn replier sur lui-même, li pas accepter aide l'autre monde, li pas accepter parler. Donc ou vinn jeune moun sa rentrer dans coquille li et puis li décider et gérer sentiment ça pour col, ce qui n'est pas bien, mais automatiquement que ouais moun sa li rentrer non en état de dépression voire même de suicide ou a besoin que tout li pas durer en pile temps, mais faut connait à qui ça va dire, à qui phase moun nan yi. Dernière phase là et qui arriver le plus tard que possible, c'est la phase de l'organisation ou réadaptation. Dans phase si là moun nan a essayer apprendre vivre, l'a essayer remettre la ville en place et puis l'a essayer retrouver de nouveaux objectifs, de nouvelles bases pour reprendre pied, pour reprendre ville. Phase de réorganisation ou phase d'adaptation, ça c'est lui-même, c'est processus ça lorsque moun nan fin passer par trois premières phases yo, qui on dit que son phase libératoire dans un sens que moun nan li a essayé dégager de sentiments de tristesse et de chagrin que deuil ça vinn te mettre dans la ville. Lorsque nous gagnon moun k'a passé par quatre phases sa yo, oui c'est vrai, li difficile vraiment pour trouver les termes adéquats pour trouver on comment ou ka aider un moun k'a vivre en période de deuil. La plupart du temps, c'est pas parler qui est important, c'est juste prouver mon nan que ou là pour lui, ou mettre disponible pour lui pour t'aider, parce que le plus souvent, yo pas parler. De toute façon, yo pas exprimer yo sur le coup, mais au fur et à mesure, la besoin en monde pour t'aider, la besoin en monde pour parler, pour exprimer, pour dire comment il sentit, pour dire combien moun ça manqué. Le conseil le fait pas ça vers ou même pas repousser. Au contraire, c'est mettre disponible, mettez épaule à disposition pour crier, pour les pencher, pour dire comment elle sentit. C'est le l'a exprimer, le l'a parler, que la vie, que la que la petit à petit la bral rivé à phase de réorganisation ou réadaptation. Maintenant, comment arriver à faire son deuil? Premièrement, il faut accepter la perte. Il faut accepter que moun sa pap la encore. Il faut accepter que moun sa ou pap wèl ou pap pale avèl ou pap joue avèl encore. L'évitement n'est pas la meilleure solution. Pas nier réalité ya. Pas rejeter réalité ya. Au contraire, c'est plus soit fait tête ou mal, c'est plus soit mettre tête ou dans situation côté ou al réprouver des sentiments négatifs tels que la tristesse, le chagrin, la colère, la frustration et même la culpabilité. Donc, pi bonheur ou accepter réalité ça qui frappe là, c'est pi bonheur tout ou ta combler, je dis bien combler et non pas rattacher et ou pouwe tout nécessité pour que ou enlever sentiment ça yo k'ap ravage là pour mettre l'autre sentiment qui ka edo avancer. Deuxièmement tout fort en phase avec émotion, pas peur exprimer son senti, pas faire en sorte que ou besoin afficher un visage serein pour moun yo voir comme si ou son moun qui forte, qui pas un moun qui déprimé. Au contraire, plus ou faire en sorte que ou afficher une image que ou loin que ou ressenti, c'est plus ou faire tête ou mal. Donc li mieux pour exprimer sentiment, pour parler, pour dire son senti au lieu que ou afficher en image qui nettement loin de comment on sent. Troisième solution, c'est accepter l'aide de votre famille et également préparer un petit agenda côté petit à petit ou écrit objectif simple et précis côté que wap di petit à petit mais ça va faire pour ka arriver libéré de sentiment ça. Acceptez l'aide de votre famille, de vos proches, de vos amis.
le fait que oui, c'est normal dans un premier temps pour repousser moun sa qui a pensé bon porter un sentiment de réconfort la caillou parce que moun n'a pas konn ki réalité ou vivre, li pa nan place ou, donc li pa vraiment konnen pa ki phase ou passé. Donc c'est un fait normal lorsque la mort ou bien sentiment de deuil li manifester pour repousser. Mais à la longue kwèm, c'est moun sa ki ou repousser peut-être nan ki bral edo combattre sentiment sa ki bral edo passer cap ça le plus simplement et le plus vite que possible. Et en dernier lieu, acceptez, libérez-vous de comme si de ce sentiment de culpabilité que vous ressentez. Si que au fin passer par trois premières phases et que vous arrivez dans la dernière phase de réorganisation, ou à essayer vivre, ou à essayer reprendre la vie en main, pas sentir coupable. Ou pas oublier mon a toujours présent dans la vie, l'a toujours présent dans le cœur. D'ailleurs, vous avez des souvenirs qui sont là. Donc les moments agréables que nous passons ensemble. Donc pas sentir coupable le fait que vous essayez vivre, le fait que vous essayez reprendre la vie en main. Donc libérez-vous de ce sentiment de culpabilité. Et chaque monde vive perd li en façon. Gen le monde c'est aller pour aller dans cimetière là pour chita pour discuter avec moun nan. Pour parler avec elle, pour sentir proche avec elle. Gen de moun c'est objet moun nan que li pa vle bay, que li pa vle jeter. Ça dépend, chaque moun vive ou bien vive de li en façon ou l'autre. Donc si ou même c'est ou choisi ça au lieu de ça, c'est pas grave. L'essentiel c'est que ou arriver d'une manière ou d'une autre apprendre vivre, réapprendre vivre libéraux de sentiments de tristesse, de chagrin, ça qui envie prend le pas sur la vie. Donc c'est tout ça que me t'ai pour me porter pour nous aujourd'hui hein? Et moi voulais finir pour m'ajouter quelques paroles ça yo. Ernst, c'est vrai que situation à vivre là li un peu difficile ou te bay tout même nan jan ta vive avec moun sa et que vin arrivé que moun sa pa nan vie encore. Donc c'est normal, toute situation que ou vive, tout commentaire ou mete ou pa pense que moi parle ou moi li tout et m'espere que ou pa abandonner et ou réapprendre vivre à cramer tout. Et à une amie qui m'est très chère, pas citer non, sache que nous là pour vous, nous disponible pour vous. Au contraire, si quoi ça je n'achète yo pour nous recevoir l'homme et Paul moins disponible et disposé ou qu'a toujours les mains n'importe quelle heure parce que situation à vivre là c'est nous toute cap vivre li. Donc nous là pour vous, pas négliger parler avec nous, disons sans penser comment ça tout et ou même qui a vivant perte dans la vie ou, pas négliger parler avec proche, dire comment senti ou, et c'est normal, toute phase que vous avez pour passer c'est normal, c'est un fait normal. Apprendre à vivre pas sentir coupable et croire que moun sa la content en pile s'il va reprendre pied. Au revoir, TAC 509.